Ça tombe bien. Ah. Ça, c'était un beau cri de... de porno. Ça. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec mon amie Lila pour un tuto sommeil. Oui, allez bonne nuit. On déconne bien évidemment, on va pas vous apprendre à dormir. Aujourd'hui on va faire un challenge. What's in my mouth? Oui, avec l'accent. On a fait nos petits Achats. Elle ne sait pas ce que j'ai pris, je ne sais pas ce qu'elle a pris. Voilà. Et en fait je vous avais demandé sur Twitter ce que vous vouliez voir. Vous avez voté pour la dégustation américaine. On s'est dit que plutôt que de faire simplement une dégustation de produits où on dit oh ça goûte ça, on allait se faire deviner l'une l'autre. Donc on a pris quoi, 3-4 trucs un peu particuliers. Oui oui, on peut le dire. Oh, ouais. Je ne sais pas. Moi j'ai été gentille. Oui, je ne te crois pas là, hein. On commence par qui? Tu veux goûter question. Ou je goûte? Vas-y, je goûte, je me lance. Allez. Je vais mettre mon petit masque mouche. Je recommence avec un cri. Le mien, c'est un sexy licious, donc c'est parfait, c'est dans le thème. Exactement. Alors, attends. Tiens, fais-moi deviner combien de doigts? 2. Au choix. Attends, j'ai le sopalin au cas où. Ouais. Je me prends. On n'a pas pris d'eau par contre, donc si jamais. Oui, non, mais j'ai quand même assez confiance en... Putain, j'ai fait un tout petit peu. J'ai assez confiance en toi. J'espère que... Je goûterai après. Je vais en mettre dans ma bouche, je vais d'abord te faire goûter. J'allais aller le montrer à la vidéo, mais en fait, évidemment, j'ai déjà cassé le bazar. Suspense, t'as peur? Non, ça va. Bon, mes doigts sont propres, hein, si je, oui. Je les mets dans ta bouche. Ouais, je veux bien. Où as-tu mis tes doigts? Ah, tu veux pas savoir. Alors, on est prêt ou pas? Allez, ouvre ta bouche. Ah, c'est chocolaté. C'est des pretzels au chocolat. Pas tout à fait. C'est dans l'autre sens plutôt. Du chocolat au pretzel. C'est des M&M's. Ouais, bien vu. Je vais vous plaisir. Oh, t'aimes pas? Oh, tu peux enlever ton masque, hein. Ah. Oh, non, même pas. J'aime pas. Ah, moi je les prends, moi. Ah ouais. Ah, c'est un petit arrière-goût de je sais pas quoi. Voilà. Ça c'est fait. Allez. Hop, c'est parti. Bon. Let's go winner. Combien j'ai de doigts? 3. Elle ne sait même pas où elle regarde. Ça me fait toujours rire ce truc parce que si tu vois les doigts, t'as qu'à dire un autre chiffre et la personne va croire que oui, tu vois pas. Oui, non, c'est vrai. Mais bon, on joue le jeu, hein. Ah, j'ai peur. On va commencer par un petit truc mignonnet. Gentil. Alors, je vous montre. Je vous montre. Regarde que ça passe bien le focus, hein. Ah, pardon, alors je recommence parce que moi, c'est ma première vidéo, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Soyez gentils. C'est pour ça qu'elle fout des petits cris. Elle est excitée. Tout à fait. Peut-être que je vais me lancer dans le YouTube game. Yes. Après ça. Yes. Moi, je vote pour. Bon, alors je coupe. J'ai les doigts propres aussi, hein. Et tu? T'as touché Pintou? Oh, ça va. Hein? C'est ton fils. Oh, sois gentil, sois gentil. C'est pas pour ça qu'il est propre. Ok, ouvre. J'ai peur. Non. Je tiens à dire que c'est un de mes bonbons favoris. Elle va essayer de deviner quel goût. Ça pêche? Non, pas du tout. Ça te plaît? Oui, c'est bon, mais je sais pas tout ce que c'est par contre. Alors, si je te donne un indice, ouais, bon, c'est bleu. On va dire que bon, il n'y a pas de fruits bleus. Donc, c'est ici aux États-Unis, il y a un fruit qu'ils appellent. Blueberry. Non. Il y a un fruit qui s'appelle, du coup. Bah alors, en fait, je sais pas comment expliquer ça. On va dire que c'est un goût chimique qui, il y a un fruit et ils rajoutent une couleur dessus. Là. Ils disent que c'est bleu, quelque chose bleu et un fruit. Ça n'a aucun sens. Désolée. Blue. J'ai bon. Attends, fais-moi encore deviner parce qu'en fait le truc, je prends un bras. Oui. Je coupe ça. T'as coupé un petit morceau là. Attends, c'est pas les languettes. Alors, on a ça aussi en France ou pas? Bah non, je ne pense pas. Enfin, moi, je l'ai jamais vu en France. Hein. Alors là, j'en ai aucune idée. C'est pas sûr, c'est pas piquant, c'est juste sucré. Je sais pas, je demande ma langue au chat. Eh bien, c'est Blue Raspberry. Donc, framboise bleue. Airheads. J'ai vu aussi ça. Framboise bleue. Voilà. Un peu chaleur. Je viens de me lever. Ah, fait pas moi-même, c'est vachement chimique, hein. Ah, bah bien sûr. Pour inventer un fruit, framboise bleue. C'est framboise de Tchernobyl en fait.
La framboise de nouilles. Hein. Alors. Tu vas devoir croquer. Ok. T'es prête? Enfin, elle manque. Est-ce que ce serait pas un Oreo Thin Mint? Punaise, elle est trop forte. Hein. Faut qu'elle vit à New York depuis plus longtemps que moi. Mais oui, moi je suis une grande. Oh, non, j'aime pas non plus. C'est un dentifrice. Oui, c'est ça. C'est comme si tu manges du chocolat et tu te brosses les dents avant. Ou en même temps. Oui. Petite poubelle. Ah, merci. C'est ça. J'étais deg avec un grand paquet. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, bah oui, là. Je cache. Ouch. Alors. Alors voici. C'est quelque chose, je crois que ça. C'est pas de. Je ne sais pas m'exprimer. C'est génial. Voilà. J'essaie de voir la date en fait. De préemption? Non, pas de préemption, mais. 1850. Non, je sais que c'est pas. Comment on dit harmonie à toi enfin? C'est pas neuf, tu veux dire, c'est un truc traditionnel. Non, mais c'est pas une nouveauté. C'est ça. C'est un vieux bonbon. C'est ça. Attends, il y a un truc en. Ah putain, j'allais te faire bouffer de papier. Oh écoute, ici de toute façon, tout est chimique, donc allons-y quoi. Ça aussi, c'est un peu mal. Ah, c'est un papier carrément. Ah ouais, ouais. Oh, j'en peux pas. Entre ça et ces petits cris, si je prends que la voix, on va penser qu'on fait un porno. Oh, j'en fous partout. Oh. C'est dégueulasse. Ah, bienvenue sur ma chaîne. Oui, hein. Ça c'est dit que tu vas devoir croquer et peut-être que tu vas en avoir partout aussi. Oh, cheese. Alors voilà. Elle va bien au milieu là. C'est pas mauvais. Bon, je vais croquer après toi, j'espère que tu n'as pas le... maladie de l'herpès. Qu'est-ce que c'est? C'est un chocolat. C'est pas du Reese's. Non. C'est du Hershey's. Non. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je sais pas, un truc, on dirait du mellow cake. Qu'est-ce que c'est du mellow cake? Ça existe pas en France. Désolée pour les pêches. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais pas, à l'intérieur, c'est un peu mousseux comme ça, non? Oui, tu en veux? Oui. Tu crois qu'après moi aussi ça me dérange pas? Oh. Ah, c'est du caramel? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? Du fluff? Alors oui, oui. C'est du marshmallow, oui. Charmallow. Voilà, tu peux enlever ton masque. Voilà à quoi ça ressemble. Et en cadeau, tu as une deuxième. C'est bon? C'est pas mauvais. Eh bien, ça ressemble un peu à du. À du mellow cake en fait. Mellow cake, c'est. En dessous, t'as un petit biscuit tout fin, et ça fait comme un dôme de chocolat, et à l'intérieur, t'as une espèce de truc. Mais c'est pas aussi liquide que ça, on va dire. C'est plus aérien, comme une mousse un peu charmante. Ah, d'accord, je vois. Je suis pas sûre qu'on appelle ça comme ça en France. C'est peut-être un autre nom, effectivement. Je cherche la sandale. Merci, la libata. C'est juste un prétexte pour te toucher. Ouais, vas-y. Alors, c'est qu'elle a de l'humour cette petite belge. Ah ben mon nom c'est Harmonie l'humour. Hein. C'est vrai. Ah, je sais pas, c'était Harmonie Lu. Je me suis dit c'est possible. Bon maintenant tu dois ouvrir bien grand, comme chez le dentiste. Voilà. Non t'inquiète, tu prends le métal. J'ai peur. Elle sort ta langue même. C'est vrai? Oui. Tu vas me foutre un spray dans la gueule. Mais tant mieux, passer à la caméra que les gens. Voilà.
Voilà. Oh ah, mais putain, mais c'est pas trop belle. Cherry? Non. Blue raspberry. Non, mais tu es presque. Blueberry. Ah non, c'est ça, c'est blue raspberry. Ah, putain, il faut pas. Bah, ça a pas trop de goût de blue raspberry. Hein. C'est ah, vraiment très acide en fait. C'est une tête brûlée, c'est ça en ah, français. Ah, ouais, ouais. Je l'ai déjà montré que je suis bête. Mignon packaging. Et je l'ai pris en pensant que c'était blueberry parce que l'autre c'était pomme et je me suis dit pomme c'est trop facile. Et j'avais même pas vu que c'était aussi blue raspberry donc artificially flavored. Ah bon? Du méthane. Je pensais que c'était 100% naturel. Alors, pour te dire, j'ai encore une autre assiette. Attends, je regarde. 4 plus la boisson. Hein? Ouais. C'est vrai, mais moi j'ai plus que... D'ailleurs, donne-moi ton verre, tiens. J'ai plus qu'un truc et la boisson. Oh bah je suis déçue. T'as changé ton petit boss? Ouais. C'est parce que tu m'as stressée à aller trop vite alors j'ai perdu mes moyens. Oh bah voilà, maintenant c'est de ma faute. Est-ce que ça focus? Oui. Alors. C'est dur. Ah, il y a des bulles. Des bulles, ouais, je ne savais pas. Pétillant. Et le truc, c'est que toi, il y a plein de marques que Lila elle connaît et moi pas. Donc, oui, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est sucré. Et c'est surtout, oui, t'es là depuis longtemps donc t'as eu le temps de tester plein de trucs et. Tiens, je t'ai mis un petit shot. Oh Jesus, ah, c'est du gingembre. Elle se dit, vas-y, goûte celui-là, tu vas voir. Je te regarde, tu sais, genre, putain, qu'est-ce que t'attends, goûte. Ah, pas terrible, hein. C'est moins pire que ce que ça sent. Non, mais je m'attendais à un truc un peu plus fort. Je suis déçue. Je voulais que tu aimes pas. En fait, il y a comme un arrière-goût de coca, je trouve. C'est moi qui dis. Bon, alors t'as deviné, il y a du gingembre, mais il y a quoi d'autre? La cerise. Pas du tout. Blue raspberry. Non, elle nous a dit ça, mais ben. Genre certaines d'elles. C'est le genre de boisson, tu sais que tu. La cannelle. Non. Ici, la cannelle pour tout. Oui, c'est vrai, que tu bois l'hiver et. C'est bien pour ton corps, tu vois. Alors généralement, qu'est-ce que tu. Du gingembre, tu mélanges à quoi quand t'es malade? Le citron. C'est ça. Et donc, c'est quoi là? Eh ben, c'est une boisson aux probiotiques. Et moi, en fait, j'aime bien le gingembre. Regarde-moi lequel, on dirait un caniche. Non, on dirait un coquet. Oui, avec les petites oreilles. Voilà. C'est spécial. C'est pas mauvais, mais c'est spécial. Mais je m'attendais que le citron soit plus acide et le gingembre un peu plus épicé. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je mange la boisson quand même. Hein. Merde, déjà longtemps, oui. Oui, c'est mal bas. Et tic-tac. Non, pas du tout. Raté. Merde, je casse tout. Oh là, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Harmonie catastrophe. Bah, c'est ça. C'est pas harmonie du mot, c'est harmonie catastrophe. Mise pour la gaffe. Voilà, j'ai montré. Maintenant, je peux déchiqueter le machin. Je sens pas mauvais. Ouvre. C'est un tic-tac. Est-ce que ce serait pas le TikTok que j'ai vu que j'ai failli prendre? À l'ananas, à la coconut. Putain, trop fort quoi. Hein. Oh, j'avais envie de les prendre, ils sont pas mal hein. Tu peux y avoir aussi si t'es deux. Ah bah ça, je vais pas te prendre non plus. Oh bah je les mangerai pas. Tu l'aimes pas? C'est big. Oui, oui, fais pas la maligne. Ouais. Parce que ce qui t'attend là. Non, non. Non, allez, on va. On devrait faire une autre fois vraiment des trucs dégueulasses. Oui, mais je pour ça il faut aller à Chinatown et prendre des trucs genre poisson sec et tout. Voilà, j'y vais. Alors peut-être que certaines connaissent. C'est quelque chose que j'adore, mais pas tout le monde qui aime. On va voir, j'ai le goût pina colada là, du tic tac. Quand tu veux sentir. Ouh. Ça sent le pain. J'adore. Mais t'as bouché la
deuxième. Tu en veux un autre? Non. Moi, attends. Qu'est-ce que c'est? Un chips, une chips. Oui. Est-ce que tu connais la marque? Tu penses savoir ce que c'est ou pas du tout? Le Cheetos. C'est ça, le Cheetos. Oh. Flaming Hot Crunchy. Oh, tu m'étonnes. Ouais, voilà. Et puis alors, quand tu bouffes ça, t'as les doigts tout rouges et la langue toute rouge après. Ah ouais. Tu vois? Oh putain, j'ai pas de côté de la gueule. Bigou là. Alors ça, moi j'adore, je te bouffe la moitié du paquet là. Bon, c'est vrai que. Mais après, tu roules une pelle à ton mec, il a la bouffe en feu. On va boire son petit truc au gingembre. Moi, j'ai dû aller chercher dans mes placards. Donc, je sais qu'elle regarde mes vidéos, ça tombe, elle va directement capter ce que c'est. Hein. Ça y est, j'attends, j'ai faim. Hein. Okay, ouvre. On est un petit écureuil. Qu'est-ce que c'est que ça? Une croquette quand même. Ah, une croquette. Comment ça s'appelle en français? Un pois chiche? Ouais. Bien vu. Ah. J'ai mis trop fort celle-là. Oui, les gars. C'est les crispy chickpeas. Par contre, ça a pas trop le goût de ranch. C'est trop bon. Oui, ça va, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est un. Ouais. Et puis en plus, c'est un écureuil. Une petite grignotée. Alors. Est-ce que je peux encore avoir ton nom? Enfin, défoncer la bouche. Comment on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. T'as acheté des trucs non identifiés. Alors. Désolée, je te fais de la faim. Allez, j'ai faim, mon rêve. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors. Ta bouche. Oui, madame. Oh my god. Et c'est pas que c'est une chance que t'as pris, mais c'est fort. Oui, j'ai pris. Moi, c'est du petit. Bon, allez, au pré-grain. C'est une mouche. Ah oui, j'ai oublié de leur montrer ce que c'était. C'est dégueulasse. Tu manges ça, toi? Non, c'est pas pour le coup, c'est pour les chats. Tu te fous de ma gueule. c'est une cranberry? Ouais. Ah, je suis forte! En fait, par contre, j'aime pas du tout. Hein. Comment on dit ton nom en français? Parce que beaucoup de gens en français disent aussi cranberry. Ah, c'est vrai ça. Très bon pour la santé. Comment ça se dit? Canneberge. Ah oui. C'est vrai que c'est pas bon. C'est vrai, pourquoi tu trouves ça? Hein? Dans des salades et tout, ça passe. Ouais, c'est vrai. Mais là, tout seul, je mangerai pas. En fait, ça goûte un peu le foin, je trouve. Tu vois, un peu. L'odeur des tables comme ça. C'est vrai. Eh bien, je vois que tu. Oui, c'est quelque chose de Trader Joe's. Et moi, je te ramène quelque chose de chez moi qui est de Trader Joe's aussi. Vous allez voir ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, ouvre. Elle m'en fout le truc. De la banane? Oui. Déshydratée. Oui, de la banane séchée. Déshydratée. Donnez-moi de l'eau. C'est pas comme ça que je l'appelle. Bah, séchée. Ah non, dry. Oh, mais il y a des trucs, c'est dehydrated, non? Je sais, oui. Ça me fait rire, la banane déshydratée. T'aimes pas? À défaut de te ramener les mains. Ah, ouais.
Comme ça, on dirait du pêchon, hein. Ah ouais, je vais leur montrer. On dirait du poisson séché. Elles vont dire, putain, mange des trucs chelous aux États-Unis. Bah ouais, c'est le but, hein. Regardez comment on mange bien ici. Moi, je suis encore restée très gentille, hein. Oh, je ne suis pas méchante, hein. Tu te calmes. Non, dans le sens... j'ai pas pris des trucs trop fifou. Ouais. Mais c'est mieux toi, hein, mais... Je suis pas tombée sur les mêmes trucs que toi, Vanny. Oh là là, la couleur du truc, les gars. La dégustation en silence. C'est de l'ananas. C'est quoi comme soda? Bah, c'est un petit genre Fanta. Ouais, mais franchement, regarde la couleur, on dirait de la pisse, elle est bien concentrée. Oh là là. Mais tu sais que j'ai vu ça aussi, le Fanta normal ici à Orange, il est beaucoup plus fluo. Fluo que celui en France, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas très fort comme goût. Non, ça va. Alors voilà, on vient faire nos analyses d'urine. Ça fait pas ça. Et on boit. Ça va, c'est pas mal. Pas ouais. Quelque chose que je boirais pas. Ah non, moi non plus. Et vous avez du lisomucine en France, le médicament. Médicament. La poudre orange, là, pour te faire équiper de ton... Oui. Bah, c'est exactement non, ça. Non, c'est vrai. Pas faux. Eh bien, nous arrivons à mon dernier... Truc. Je crains le pire. T'as gardé le meilleur pour la fin. Exactement. Oh my god, my god, my god, my god. Ne me fais pas manger de papier. Oh là là. Oh. Oh non. Comment je vais faire? Alors en fait, il faut que tu... tu lèches ça vite, rapidement et puis il faut que je le trempe quelque part. Lèche. Je lèche? Oui, lèche. Mytho, hein. C'est le truc que je te dis, non? C'est la sucette au piment. Oui. Ah, je l'ai prise. Elle s'est dit, oh, je le prends pas, c'est un peu trop méchant. Et moi, je l'ai prise. Attends. Oh, quand on récépit. Attends, j'ai bien envie de me mettre le truc dedans et d'ouvrir ma bouche. Enlève ça, là. Faut pas faire ça, toi, avec moi. Tu sais, genre, on en prend et après on fait. Ah bah il t'en faut plus. Il m'en a pas pris. Dans ta main. Ah, c'est dégueulasse, on dirait du poivron. Non mais sens ce truc. Oh, ça me dégoûte. Attends. Ça. Avant c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais. Ew. So disgusting. Honestly. Voilà, c'est la... Comment tu dis ça? Sriracha. Sriracha. Et en anglais, ça veut quoi? Sriracha. 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 Alors, la sucette est à la fraise, mais les petits... Ah, ça picote dans ma gorge. Les petits cailloux, là, sont au piment. Ça continue à aller dans ma gorge. Ça pue. Oh, ah, mais ça sent le poivron, en fait, je trouve. Ouais. Ça pue. Tu n'en veux plus, là, on est d'accord. Angle. Voilà. Mais c'est sympa, C'était chouette. Ok, elle m'a bien couillonné avec le machin piment. Vous auriez dû voir sa tête quand je lui ai dit « Ah ouais, il y avait une sucette au piment, mais j'ai pas pris, c'était quand même trop... » Et elle a fait... La meuf qui ne s'est pas cachée ses émotions du tout. C'est bien, c'est bon à savoir pour la prochaine fois, quand on fera vraiment les trucs dégueulasses. D'ailleurs, dites-nous si vous voulez qu'on refasse une deuxième édition des produits un peu... What the fuck, hein. Ouais, what the flûte. Ouais, what the flûte. Parce qu'ici, on a vraiment pris des trucs, genre des confiseries et tout ça, qu'on trouve ici. On a essayé de prendre des trucs, genre les M&M's au pretzel. Mm. Ah oui, les Cheetos ouais, piquants. Ouais. Je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé parce que je suis pas sûre qu'on trouve ce genre de choses de l'autre côté de la flamme. C'est sûr. Donc, ouais, surtout les bananes là, qui ressemblent à des poissons, c'est comme ça. C'est ça. Comme ça. Et l'autre avec sa boisson là, au gingembre, ah, ouais. Dégueulasse. Je continue, j'ai acheté, je bois. Non, je tu sais que c'est hyper bon pour. Le libido. Gingembre, oui. Ouais. Oui, c'est pour ça que je bois tous les jours. Oui, c'est ça.
Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on refasse une vidéo ensemble ou si vous voulez qu'on fasse d'autres genres de vidéos. Hein, on peut faire aussi des trucs plus axés beauté, plus axés USA, plus de challenge. Ouais, des challenges, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à mettre des pouces en l'air pour qu'elle crée sa chaîne. Et tu voudrais qu'elle parle de quoi ta chaîne? Bah, j'aimerais bien justement faire des challenges avec des copines comme Harmony ou aussi mon mari, je pense que ça pourrait être pas mal. Faire des vlogs quand je voyagerai. Oh, ça pourrait être chouette. Et puis des outfits of the day. Ouais, parce qu'elle s'habille trop bien, elle a un trop beau style. Allez voir son Instagram, je le mets là. J'espère que ça vous a plu et que je n'ai pas été trop nulle pour ma première vidéo. Non, tu étais parfaite. J'ai une bonne maîtresse. Le bêtisier va être pas mal aussi, hein. Ah bah écoute, tu vas tout raconter de notre intimité aux gens, c'est ça? Écoute, on peut plus se cacher. Oh, ok. Voilà mes petites biches, on va vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que ça va être une très longue vidéo, mais on espère que ça vous aura fait rire. Et dites-nous s'il y a des choses que vous voulez qu'on teste aussi, parce que voilà, on a fait notre sélection aujourd'hui, mais il y a peut-être des aliments ou des challenges spéciaux qu'on pourrait faire et que les petites biches peuvent nous recommander. Donc en attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas d'aller vous abonner à son Instagram et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais des gros bisous. Bisous.